إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. الحمد لله الذي وفقنا لهذا الصيام المبارك، ونحن اليوم في اليوم الثاني من هذا الشهر المبارك. هذه نعمة، فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أما بعد، فهذه نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام رمضان وقيامه وفضل مسابقته فيه بالأعمال الصالح، مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على كثير من الناس. الحمد لله mes chers frères, aujourd'hui c'est le 8e jour du mois du Ramadan. Et comme je l'ai précisé, et comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a précisé dans le verset cité, c'est ce mois-là et ce jeûne-là fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de gens actuellement, parmi les musulmans, non pas parmi les mécréants, parmi les musulmans, ne savent pas jeûner. Et ils sont tristes. Ils sont tristes de ne pas pouvoir jeûner, comme les malades par exemple. Le mourda, il a dit son mot, mais les gens, c'est son mot. المرضى فانت الحمد لله صحيح قوي على الصحة نجم الصوم، هذه ماشي نعمة كبيرة. On a préparé donc cette khutba là. On voulait parler un petit peu du mérite du mois du Ramadan, du mois béni, mais on a vu l'importance de parler surtout des choses qui sont permises pendant le mois du Ramadan que beaucoup de gens ignorent. Des choses qui sont permises que le musulman entend que jeûneur peut faire pendant le mois du Ramadan, mais il ne le sait pas. Il y a deux catégories de personnes pendant le mois du Ramadan. La première catégorie de ces personnes-là se divise en trois. الذين يفرحون بهذا الشهر ويفرحون لقدومه وذلك لأسباب. Il y a donc les gens qui sont contents quand le mois du Ramadan il arrive, même avant qu'il soit arrivé, ils sont contents. Ils farchent. Ils disent comme dans le jeu, ils farchent. Donc, on a le premier, أنهم فرحانين بلقاء هذا الشهر المبارك. لماذا؟ أنهم عودوا أنفسهم على الصيام ووصلوها على تحليله، ولهذا جاءت السنة المطهرة الصحيحة النبوية الشريفة استحباب الصيام الاثنين والخميس وأيام البيض ويوم عرفات بغير الحج ويوم عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده وصيام شعبان وغير ذلك من أنواع الصيام المستحب. Parmi les jours de jeûne qui sont sunna, qu'on rencontre dans la sunna authentique du prophète صلى الله عليه وسلم, il y a le jeûne du lundi et du jeudi. Il y a les jours de jeûne, le 13, le 14, le 15 de chaque mois lunaire. Il y a le jour de Arafat pour celui qui ne fait pas le pèlerinage. Il y a les jours pendant le mois de Sha'ban. Alors la personne qui est habituée à jeûner comme ça, quand le mois du Ramadan il arrive, c'est tout, c'est facile pour lui. Ouahdi met'aoud ala siyam. Ou jay ramdan. Mais pourquoi il fait rigolo, والحمد لله اليوم رانا نصومو في الشتاء. اما الكبار اللي عارفين واش غادي نقول، وكي تجي تصوم في جويلي ولا اوت وتاكل على العشره وفي البلاد تخنا تخبط، هذا هو الصوم الصحيح الحقيقي. Aujourd'hui on jeûne jusqu'à l'heure de 5h à peu près, 5h10. Mais dans les pays chauds, et quand c'est au mois de juillet ou au mois d'août, tu es obligé de jeûner au moins 18 heures de jeûne, et il fait chaud à 40-50 degrés. Les gens qui viennent des pays chauds, ils savent ce que je suis en train de te dire. Ils savent ça. Là, on va voir c'est quoi le vrai jeûne. Amma hadada. Rabbi waqabna, inshallah. Wallah, il taqabal mina ta'atana, inshallah. On demande à Allah qu'il accepte notre jeûne. Donc, ces
gens qui ont l'habitude. Ils ont l'habitude de jeûner. Pour eux, le mois du Ramadan, c'est facile. C'est facile. Parce que leur corps, il est habitué à jeûner. Moïtine, ta'oudou. الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ليعتادوا الصوم ويتزودوا التقوى. Et tout ça, ces jeunes qui ont été instaurés par le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, c'est justement pour s'habituer au mois du Ramadan et pour aussi acquérir de la piété, de la crainte pieuse vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأثار ذلك واضح فإنك تجد الذي يصوم النفل أيام البيض على الأقل. Celui qui jeûne pendant le 13, le 14, le 15 de chaque mois, tu regardes lui et tu regardes quelqu'un qui ne jeûne jamais. واحد ما يقومش خلاص. واحد موالي في الصيام تشوفه في أيام رمضان خاصة الأيام الأولى. Tu vois la différence. على الأقل لا يستثقل صيام رمضان بل هو عنده أمر طبيعي. لا كلفة فيه ولا عناء. وأما الذي لا يصوم شيئا من النافلة. لما يكون خلاص ما يتعودش على الصيام celui qui n'a pas l'habitude de jeûner pour expliquer ce raison on va pas dire celui qui est malade qui peut pas jeûner ou quelqu'un qui travaille dans un chantier ou là quelqu'un qui travaille dans chacun il sait ce qu'il fait mais celui qui peut jeûner mais qui ne jeûne pas alors qu'est-ce que tu remarqueras فإن رمضان يكون عليه ثقيلا شاقا. Le mois du Ramadan quand il arrive c'est dur pour lui, c'est dur, il le sait mais avec dégoût. Il sonne mais je au cœur. Ils sont, ils disent, ah, ok, mieux c'est avec. Qui dit salat, ah, qui dit siyam, ah, je suis le mashaqa. Adi l'ibadat, on est le mashaqa. Je suis le yakra. Il y a des gens, quand le mois du Ramadan ils arrivent, ils sont déjà dégoûtés. Ils aimeraient bien que ce soit le Eid avant le Ramadan. Ah, subhanallah. Taqaddamu barakallahu fikum, taqaddamu ila l'amam. Faites un petit peu de place pour les stages qui viennent là. Barakallahu fikum. ولقد كان سلف هذه الأمة رحمهم الله ورضي الله عنهم مثالا رائعا في الحرص على النوافل. Quand on regarde la vie des chefs prédécesseurs, on voit qu'il y a dans la vie des chefs prédécesseurs un exemple dans toutes choses. وقدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تتلمذ على يديه. Et celui qui s'est éduqué avec la main du prophète صلى الله عليه وسلم. روي عنهم في ذلك قصة عجيبة من ذلك. Et des histoires sur la vie de tes prédécesseurs, il y en a beaucoup. Bien sûr, nous, dans une khutbah de Jumu'ah, on ne peut pas raconter toutes les histoires. Ça se fait avec le temps et avec les khutbahs qui viendront, Inch'Allah. Mais on va vous donner quelques exemples à titre d'exemple. Alors, أَنَّ قَوْمًا مِنَ السَّلَفِ بَاعُوا جَارِيَةً لَهُمْ. Il y avait donc des gens pieux. Ils avaient des esclaves, ils avaient des servantes. Ils en ont vendu une. Et quand je dis esclave, c'est pas l'esclave qu'on entend, l'esclavage, ou là, c'est pas cet esclavage. C'est à l'époque des Sohaba, à l'époque des pieux prédécesseurs, quand ces gens ils avaient des servantes, ils faisaient plus qu'avec leurs femmes et leurs enfants. Ils faisaient plus qu'avec leurs femmes et leurs enfants. Aujourd'hui, nous on dit l'esclavage, c'est tout qu'on pense l'esclavage, les chaînes enfermées, ceci, cela. Là. C'était des servantes ou des servants. Donc ils ont vendu cette servante à un groupe de gens. لهم لأحد الناس. فلما أقبل رمضان أخذ سيدها الجديد يتهيأ بألوان المطعومات والمشروبات لاستقبال رمضان كما يفعل كثير من الناس اليوم. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire ce nouveau maître? Qu'est-ce qu'il a commencé à faire quand le mois du Ramadan il était à l'approche? Il a commencé à préparer de la bonne nourriture, des boissons de toutes sortes. Et puis, comme aujourd'hui on fait, toute l'année on mange normalement, pendant le mois du Ramadan, on fait masha'Allah, hadith wa la haraj. On fait du manger qu'on ne mange même pas. Pourquoi? Parce qu'on a les yeux tout gros que le vent. Alors, on fait des insaïn ici. Si tu manges, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Si tu achètes et tu invites des gens, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Mais si tu achètes pour après jeter la poubelle, il est là le problème. Donc aujourd'hui, comme à cette époque-là, il avait assez, il avait préparé de la nourriture, de la boisson, pour justement accueillir le mois du Ramadan. Ben c'est par deux sur le Ramadan. فقالت هذه الجارية وش قالتكم لماذا تصنعون ذلك؟ Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi tous ces achats? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? قالوا لاستقبال شهر رمضان. فقالت وأنتم لا تصومون إلا في رمضان. Il a dit c'est pour accueillir le mois du Ramadan.
Et cette parole, qu'est-ce qu'elle a répondu? Pourquoi vous vous jeûnez que pendant le mois du Ramadan? En dehors du mois du Ramadan, vous ne jeûnez pas? C'est ce qu'il en a déduit. Wallahi, elle jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, laqad ji'tu min 'indi qawmin astanatu 'indahum fi anna kulluha Ramadan. Elle jure par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis بلي عندهم هذوك الناس اللي جيت من عندهم سنه كامله كانه رمضان. Elle dit que l'année entière chez ces gens-là, c'est comme si c'était le mois du Ramadan. Pas simplement cette période-là. Alors elle ne se sentait pas bien, cette femme-là. Elle ne se sentait pas bien. Elle a juré. Wallahi, laqad ji'tu min 'indi qawmin astanatu 'indahum fi anna kulluha Ramadan. La hajata li fikum rudduni ilayhim wa raja'at ila sayyidiha al-awwal. Alors elle s'est plaint et elle a dit: je veux que vous me rendez de là où je suis venu. Parce qu'elle savait la taqwa ici, elle savait le khouf min Allah, l'adab, le soulouk, le dîn et le haqqa et le râh, mais c'est vrai que l'akad et le mashroubat. Wa kana ladayhi l'Hassan ibn Salah, et une autre histoire aussi semblable à celle-ci, wa huwa min al-zuhad, wa l'ubbad, al-wari'in al-atqiya, jariyatun, fashtaraha minhu ba'aduhum, falama intasafa al-layl inda sayyidiha al-jadid, qala at-tasihu fi ad-dar, as-salat. Cette deuxième servante-là, c'est une autre histoire qu'on rencontre dans les livres des pieux prédécesseurs. Cette dame-là, elle faisait beaucoup la prière la nuit, elle se levait, elle priait. Alors, elle avait l'habitude de se réveiller. Quand elle s'est réveillée, lorsqu'elle a été vendue à des nouveaux maîtres, elle a dit que ses maîtres ne se levaient pas faire la prière. Mais ils courent chez l'île. Voilà, chez. Même pour le soukoumou, ça l'est à Chirin ou la Tlatinaraka. Qui te compte khatra, ça l'est à Katin l'Illah? تتوضا تصلي ركعتين وتدعي فيها رب العالمين خير من الدنيا وما فيها. عاود نفسك على الخير. Alors cette dame là, quand elle a vu que la maison, il y avait personne qui. Des gens, ils sont là, mais ils sont morts. Elle a eu peur, la prière, salat, la prière. Les gens se sont réveillés comme ça en surprise, ils ont eu peur. Frappe, ils disent: oui, j'ai des mots, c'est pas où je t'aille. فقالوا فزعين وسألوها هل طلع الفجر؟ ايش وقت الفجر؟ C'est l'heure de faire la prière du Fajr. Faqalat wa antum la tusalluna illa al-farida, ay al-maktuba. Et vous ne connaissez la prière que la maktuba, que la prière obligatoire. En dehors de ça, vous ne connaissez rien d'autre. Falamma asbahat raja'at ila al-Hasan ibn Salih wa qalat lahu qad ba'athani ila qawmin su la yusalluna illa al-farida aw al-maktuba. Elle s'est plainte, son ancien maître a dit: tu m'as vendu à des gens qui ne connaissent la prière que la prière obligatoire. Je voudrais que tu me reprennes. ولا يصومون الا الفريضة ايه نجان كل فريضة اي رمضان فردني فردها انا قال لي دوموندي دو لا غوفون الا غوفي تربت على يد لا اش صالحين اتقياء زهاد elle a été éduquée où ces dames là ces servantes là elles ont été éduquées dans des maisons de gens pieux des gens de science des gens qui قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم c'est ça. Aujourd'hui, nous n'avons qu'à l'aider de Allah. Nous avons un Nabi de l'Wiratha. Nous n'avons qu'à l'aider de l'Ouala. Nous n'avons qu'à l'aider de l'Ouala. Nous n'avons qu'à l'aider de l'Ouala. On est né, on a grandi dans des familles qui ont eu l'islam mais avec l'héritage. Alors aujourd'hui, quand on essaie de retourner aux sources, al-manba al-asl, wa huwa al-Qur'an wa al-Sunna, c'est annana na'ti bi asha'a jadida. Quand on retourne à la source, et quand on dit aux gens, ou bien à soi-même d'abord, de revenir à la source qui est le Coran et la Sunna, comme les pieux prédécesseurs l'ont compris, on a l'impression de faire des choses nouvelles en religion. Si on a dit la Hajj Zida, oui, c'est le Hakika, mais c'est Hajj Zida. Hajj Traknaha. Mais c'est une tombe. J'doudna. L'Issadakuna. La deuxième catégorie des gens, ce sont أنهم يعلمون أن الامتناع من اللذات في هذه الدنيا سبب لنيلها في الآخرة فإن امتناع الصائم عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات في نهار رمضان طاعة لله عز وجل يكون سببا في حصوله على ألوان الملذات الخالدة في الجنة فلقوة يقين المتقين بذلك يفرحون بقدوم هذا الشهر المبارك. La deuxième catégorie des gens, ils savent que ceux qui vont se priver de manger, de boire, de toucher les femmes, c'est-à-dire leurs femmes bien sûr, et tous ces plaisirs que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis quand on n'est pas en état de jeûne, eux, ces gens-là, pourquoi ils sont contents du mois du Ramadan? Parce qu'ils savent que cette période-là, ils vont se priver de tous ces biens,
Mais ces biens-là, s'ils le font pour Allah, subhanahu wa ta'ala, ils le retrouveront bien meilleur et des biens qui ne vont pas périr le jour du jugement dernier, c'est-à-dire qu'il jannah. Allah m'a dit, mais jannah, ya Rabbi. Ya'qub, il y a un homme qui est en train de se faire, et il y a un homme qui est en train de se faire, il y a un homme qui est en train de se faire, et il y a un homme qui est en train de se faire. Et celui qui va rentrer au paradis ne sortira jamais du paradis. أما المسلم الذي يدخل النار سيخرج بإذن الله. Le croyant quand il rentre au paradis, il faut savoir une chose mes frères et mes sœurs, c'est que jamais il ne sortira du paradis. Celui qui rentre au paradis, jamais il ne sortira du paradis. Mais celui qui est rentré en enfer parmi les croyants, il sortira un jour. Combien de temps? Allahu a'lam. النوع الثالث, la troisième catégorie de ces personnes-là, c'est qui? أنهم يدركون أن هذا الشهر من أعظم مواسم الطاعات والتنافس في القربات ويعلمون أن الله عز وجل يجري فيه من الأجور ما لا يجري في غيره من الشهور ففرحوا فرحة المشتق بقدوم الحبيب الغائب أو أعظم من ذلك. La troisième personne ou la troisième catégorie de ces gens-là qui sont contents quand le mois du Ramadan il arrive, ils savent que c'est un mois où c'est une compétition entre les gens, les frères, pour faire le bien. C'est normal, tu vas voir ton frère, il lit du Coran, tu vois ton frère, il fait du dhikr, tu vois ton frère, il fait du'a, toi tu veux l'imiter. Par exemple, ton frère, qui lisait peu de Coran, ou qui faisait très peu de du'a, toi dans le mois du Ramadan, il va multiplier ses du'a. Toi ça va t'encourager, tu te dis, mais lui je le connais, lui quand c'était pas le mois du Ramadan, il faisait du'a. Lui quand c'était pas le mois du Ramadan, il faisait du dhikr. Lui quand c'était pas le mois du Ramadan, il lisait une petite demi-heure de Coran. Là je le vois pendant le mois du Ramadan, il est assis là pendant deux heures, il lit le Coran. Et lui il fait beaucoup de dix, et lui il fait du bien, ça va t'encourager. C'est la compétition entre le bien et entre les frères. La deuxième catégorie, donc on a dit quoi? On a deux catégories. Première catégorie avec trois sortes de personnes. Et deuxième catégorie, الذين يستقبلون هذا الشهر ويستعظمون مشقته فإذا نزل بهم فهو كالضيف الثقيل. Et la deuxième sorte des gens, le mois du Ramadan n'est même pas arrivé, ils sont déjà dégoûtés, comme on a dit. Ah là là, le mois du Ramadan, un mois à tirer encore. Qui c'est qui va nous aider à le faire ce mois-là? C'est dur. Toujours en train de se plaindre, ces gens. Au lieu d'être contents, là, ils sont dégoûtés. C'est même pas triste. C'est vraiment, on dirait qu'ils ont même pas envie de le faire. Il a fait, s'il n'a pas envie de faire le mois du Ramadan, ne le fais pas. Ne va pas casser la tête aux gens. Subhanallah. C'est bien de faire comme si. L'invité que tu n'attends même pas. Tu es tranquillement chez toi, ça sonne à la porte, des invités. Ah, tu le regardes, tu n'attendais même pas qu'ils viennent. Et quand ils viennent, tu comptes les heures. Voilà, bon, vas-y, il a mangé, allez. Salam alaikum. Qui m'a dit avec les maillards ou les maillards de canapé? Il dit, ou tu préfères faire que tu te fais. Tu te dis, oh, on tombe l'aliya. Et maintenant, je vais voir là. Ou tu préfères que tu te fais un maillard ou kada. Ou mais il s'en sera. Et quel est l'air d'être? En dehors de 9 ans, d'être ici Ramadan. يبقى القوم كما كبيت يبقى الخرية يحسبوا له شلقة هذا يوم الأول هذا يوم السابع هذا يوم شلقة قالوا 20 يوم قالوا 15 ومتخلقين ويبقى الخرية يحسبوا فهو كبيت التقيل يعودون ساعته وأيامه ولياله منتظرين رحيله بشجاع الصبر. Ils attendent comme si, je ne sais pas ce qui était tombé sur leur tête, ils veulent que ce mois du Ramadan il part comme il est arrivé. فَيَفْرَحُونَ بِكُلِّ يَوْمٍ يَمْضِي يَنْوَ حَتَّى إِذَا قَرُبَ الْعِيدِ فَرِحُوا بِدُخُولِ أَوْ بِدُنُوِ خُرُوجِ هَذَا الشَّهْرِ. Et quand il reste à peu près quelques jours de l'Aïd, ils sont contents. Ils sont contents de quoi? De la promesse de l'Aïd. Non pas parce que c'est l'Aïd qui arrive et qu'on est content d'avoir fait cette acte obligatoire et méritoire. Là, ma chère Abdel, Fahim de Tawra et Hikrez. Au contraire, ils sont contents parce que ce mois du Ramadan qui va partir, ils sont contents. Non pas le contraire. Le contraire, c'est que tu es content parce que, alhamdoulilah, tu as fait un mois du mois du Ramadan tranquille, tu as jeûné, tu es content. L'Aïd il arrive, et dit t'as parti. Comment là, Fahim, parce que c'est le Hizb de l'Andalus et Hikrez. Ils étaient contents parce qu'ils attendaient 15, rien que le mois du Ramadan il sort. أيها الإخوة، بعد هذه المقدمة إليكم مباحات الصيام في رمضان. فكانت تتي بريبوزيشن ونتي بريباراسيون pour vraiment venir dans le vif du sujet.
comme on l'a dit à l'ouverture de la khutba, il y a des choses que beaucoup de gens ne savent pas. On ne leur en veut pas, ces gens-là. Mais qu'est-ce que vous avez dit? On n'est pas des savants et tous les jours on découvre des nouveautés et on apprend notre religion et on avance pour le but accéder à l'agrément d'Allah. Donc on a dit الاستحمام والاستعمال الماء والانغماس فيه لدفع عطش شديد او حار شديد كذلك او لرفع جنابة لما رواه عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما من بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال انه حدثه فقال ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحار. Il est permis pendant le mois du Ramadan de prendre sa douche quand tu as trop chaud, donc tu prends une douche tiède, ou quand tu veux enlever la janaba, l'impureté majeure, ou par exemple quand tu es très chaud et tu as soif, tu peux prendre un petit peu d'eau comme ça et faire du gargarisme pour enlever la ratache. Ça s'est permis, le prophète le faisait quand il faisait très très chaud ou quand c'était pour enlever justement l'impureté majeure. Rawahu Ahmed wa Malik wa Abu Dawud. Wa fi al-Sahihayn kadhalika an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yusbihu junuban wa huwa sa'im thumma yaghtasil. Le prophète le faisait se réveiller parfois où il était dans il avait sur lui l'impureté majeure, il était en train de jeûner et il faisait la douche. Il n'y a pas de problème à ça. فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح لكن عليه تجنبه والتحرز منه. Si maintenant quelqu'un il prend sa douche, il y a de l'eau qui est rentrée un peu dans sa bouche, il a avalé un peu d'eau, il a fait ça involontairement. Son jeûne il est valable, il n'aura pas à rendre ce jeûne. Deuxièmement, الاكتحال والقطرة ونحوهما مما يدخل العين سواء أوجد طعامه في حلقه أم لم يجده لأن العين ليس بمنسد إلى الجوف. Celui qui met du chaud dans les yeux, le noir, que ce soit un homme ou bien une femme, pendant son jour de jeûne, ou bien qu'il met des gouttes pour les yeux quand il est malade, c'est permis. Il n'y a pas, ça ne lui annule pas son jeûne. عن أنس رضي الله عنه قال أنه كان يكتحل وهو صائم. Il mettait du chaud dans ses yeux et il jeûnait. ثالثا القبلة لبزي لمن قدر على ضبط نفسه فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيدينا في الحقيقة كان أمور إنسان في الحقيقة بس نعبروا الواقع ونعبروا يعني كان حوايج إنسان يحشم باش يهدر فيهم كان حوايج يحشم باش يهدر فيهم ولكن هذا من واجبي هذا من واجبي il y a des choses c'est vrai que tu as un peu de pudeur le musulman il doit avoir de la pudeur. Il ne faut pas parler comme ça ouvertement et n'importe comment. Il y a des choses, on n'a pas été habitué, on n'a pas été éduqué à parler surtout devant des grandes personnes qui auraient pu être ici notre grand-père ou notre père. On n'a pas été habitué. Voilà qu'il, il existe une parole dans la religion comme ça que les gens disent et c'est une erreur de dire ces choses-là. Et il n'y a pas de honte en religion. Si, il y a de la honte. يجد لكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بدعون وسبعون شعبة وفي رواية بدعون ستون شعبة لا فوا في 73 دقري dans une autre version 63 دقري في 63 إلى 63 il y a أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأبى من الطريق le plus haut degré c'est لا إله إلا الله. Et le plus bas degré, c'est le fait de nettoyer une chose qui pourrait faire du mal à un passant ou à un animal. Et la pudeur, ça fait partie de la foi. Donc, avec les problèmes de la haya, c'est dit, là, c'est la haya, c'est dit. Mais il n'y a pas de tayyada. Mais il y a un peu de parce que j'ai mis un chèque ou un khatra, il y a un chèque qui est parti pour un air de hachman. Il y a un chèque. Il y a un chèque. كنت شعلا مثل عمره قال لي عندي 60 سنة قال لي وش عندي 60 سنة قال لي ملي تزوجت
هذه أكثر من 40 سنة يكترف البلها من زوج الصار ما ثلاث حسن من الأخبار بل الإنسان في جنة زوجته لازم يتزوج يختفل باش يصلي وانا ما كنت نعرفها إلى الآن كنت من جنة زوجتي ونصف ودار الصلاة ونصلي شفت الحسنة وين تبديش ce viola-là qui avait 60 ans, il m'a dit, mon fils, j'ai quelque chose à dire, mais j'ai honte. Ça fait 40 ans que je suis marié avec ma femme, et je viens d'entendre ça dernièrement. Bon, j'ai honte de te le dire, mais je vais te le dire quand même. Quand j'avais un rapport avec ma femme, je ne prenais pas la douche pour enlever la pureté. Je me levais, je faisais les petites ablutions, et je faisais ma prière comme ça pendant 40 ans. Je lui ai dit, tu vois la honte et la timidité de ce qu'elle t'a ramené? Pourquoi tu n'as pas demandé? J'avais honte. Non, il y a des choses en religion, on doit demander. Il y a des choses, on doit demander. Mais il faut savoir les demander, comme il faut savoir les donner les réponses. C'est pas le dire que bidon ihtiram ou bidon adab. Donc on a dit le qubla. Le qubla, c'est le fait d'embrasser. L'imam qadira alayhi, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu adina li shaykh al-kabir wa lam yadan li shab. عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لتقول عليه الصلاة والسلام إلى أغضل الجمع إلى ترمي أن ترسل أجي لتقول عمراتي الصفا لإن فترمي أجل وعلل ذلك لأن الشيخ يملك نفسه أما شبلة et c'est quoi la sagesse de tout ça c'est que le jeune lui il peut maîtriser ses sensations mais le jeune il ne peut pas maîtriser ses sensations alors le jeune il peut lui embrasser sa femme quand il rentre à la maison quand il sort il dit salam alaykoum et il s'en va comme ça il fait un bisou il sort mariche c'est de ce bisou qui est mentionné là mais c'est pas le blâme de pourquoi c'est pas facile wa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam kana yubashiru wa huwa sa'im wa kana أملككم لإربيه متفق عليه الحديث رواه البخاري ومسلم رابعا الحقنة سواء أكانت في العرق أم تحت الجلد فإنه وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ للعتاد الحقنة لا تصفيزيون سانجين كلكان في مالاد لكيجال كلكان في مالاد لكيجال il va à l'hôpital pour faire une transfusion sanguine. Il peut faire la transfusion sanguine tant que ce n'est pas une transfusion qui va le nourrir. Ça veut dire quoi? Il ne va pas avoir du glucose. Les gens qui sont malades, ils ont besoin des fois de prendre comme les diabètes du sucre, du glucose. Ça, ça annule le gène si on se fait rentrer du glucose. Pourquoi? Parce que c'est pour que tu sois fort. Ça, dans une transfusion sanguine, pour faire rentrer des médicaments. Un exemple, quelqu'un qui est malade et qui ne peut pas manger les antibiotiques par là, par la bouche. Alors ils vont lui mettre les antibiotiques par la veine. Ça ne rentre pas le gène. Ton gène, il est sahih. فإن تصل إليه من غير المنفذ المعتاد والحقنة التي يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا تفطر بالصائم هي التي توصل الدواء إلى بطنه من مخرجه وقولها ولكن mais il existe comme on vous l'a dit ici en une phrase لكن يوجد في هذا الزمن حقنة أخرى وهي إيصال بعض المواد المغذية إلى الأمعاء يقصد بها التغذية et l'autre transfusion sanguine c'est celle qui est pour nourrir le malade bon quelqu'un quand il est malade il ne gêne pas quelqu'un quand il est malade pourquoi il va se forcer il dit le kiff تلقاه مريض خاوه رايح يموت يقول لك لا انصم يا اخي راك مريض بدل ما راك مريض اسم الجن تفطر ويقول لك لا لا عيب كيف الناس يقولوا بليا وفطر مع ان هذه شويه مي نو نورمالمون كون تو مالاد تو لي جن با اون فوا تو غيري باذن الله تو بخون لي جور كو تو مونكي تون جن خامسا الحجاره وهي أخذ الدم من الرأس أو غيرها من أعضاء الجسم c'est les ventouses les ventouses c'est le fait de retirer le mauvais sang qui est dans la tête ou bien dans un autre endroit du corps فقد احتجل النبي صلى الله عليه وسلم والصائم le prophète عليه الصلاة والسلام il a fait donc les ventouses alors qu'il jeûnait رواه البخاري إلا إذا كانت mais il y a aussi par exemple une hijama qui est déconseillée c'est celle qui va t'affaiblir quand tu sais que déjà toi-même tu es faible celle-ci elle est déconseillée
إذا كانت تضعف الصائم فإنه تكره له. وأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم هذا الحديث للصحيح حديث صحيح على كم وبطير ونزل حديث لديه صحيح أنت ديكي فطفتها أنت ديكي تتشاقل كل القطة عليه صلى الله عليه وسلم إلا فيه رواه أحمد فهو منسوخ للحديث الذي قبله ولكن هذا الحديث صحيح إلى منسوخ إلى تأبولي فلأخشو في القطة صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال الثالث لآلت أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إلا من أجل الدخل رواه البخاري وغيره. والفضل كذلك هو أخذ الدم من أي عضو لتحليل الدم. الفضل في أشيء نوتخ فاتحو maintenant mais à l'inverse c'est quoi c'est de retirer du sang par une veine ou dans un autre endroit du corps pour l'analyser. Quelqu'un qui fait une prise de sang, ça ne va pas lui rompre son jeûne. Il peut faire la prise de sang, son jeûne il est toujours valable. La piqûre, comme on l'a dit, la piqûre, si c'est une piqûre qui ne te donne pas du manger dans ton ventre, qui ne te donne pas des forces, du sucre en général, il n'y a pas de problème. Si c'est une piqûre, il existe une piqûre. Et si ce n'est pas une piqûre qui va te nourrir, il n'y a pas de problème. Si c'est une piqûre qui te nourrit, là, il va tenir le كما نقولوا الليبرا هذه تعطيك الماكلة تقويك هذه لا أما إذا كان دواء أنتيبيوتيك ولا حاجة هكذا لا هذه يجوز رواه البخاري وغيره. سادسا المضمضة والاستنشاق إلا أنه تكره المبالغة فيهما. المضمضة هو مثلا المضمضة والاستنشاق في واحد يكون يتوضا يدير الماء في فمه يبدا يدير هذا هذه هي المضمضة. والاستنشاق كي تدخل الماء في نفسك وتجبد هذاك والاستنشاق هو خروج الماء الذي ادخل في الانف فهذا يجوز لك ولكن بدون مبالغة. pendant que tu es à dire pendant le mois du Ramadan ou un autre jour mais tu jeûnes tu peux le faire mais sans exagération c'est à dire que tu prends un peu d'eau gentiment et le nez la même chose mais si tu as pas si je veux que tu as fait c'est le nez il n'y a pas de problème c'est un l'aqif ibn sabara anna le nabi sallallahu alayhi wa sallam qala fa idha stanshaqta fa adbir illa an takuna qa'ima rawahu ashab as-sunan wa qad kariha ahlu al-ilm as-sa'ud wa huwa as-sa'ud huwa wad'u ad-dawat al-anf الصعود في الجلد كتير في الأنف أو أخرى مدّيّة كتير في رأسك في الأنف هذا لا هذا مكروه وبعض أهل العلم من منعوا بتاتا الجلد في الأنف أو أخرى مدّيّة كتير في رأسك في الأنف les gens de science les ulama ils ont déconseillé mais fortement déconseillé ces choses là d'accord on continue. وقال ابن قدامة إن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه. celui qui fait par exemple bien sûr المضمضة والاستنشاق mais que de l'eau rentre involontairement il n'y aura pas de problème pour lui parce que ça a été fait volontairement. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أقتل دوك أبغى تكلم سابعا دوك الطعام بشرط عدم دخوله في الحلق. إن كان في الكوزين أو بي أن أم في الكوزين أوكي بيان سور إلى droit de goûter la nourriture qu'il est en train de préparer la shorba la hayra ou la couscous ou la tsi ou la يحب يدوق يدوق ولكن ما يبلعش il lui est permis de goûter sans avaler. Ça c'est allé ou bien, quand tu veux acheter quelque chose, ça se fait beaucoup aussi dans certains pays, ici et moins, mais surtout dans des pays où les gens sont déjà en préparation dans un restaurant, là, quelque chose, tu peux goûter légèrement pour voir si c'est bon, mais sans avaler la nourriture. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يذوق الخلق أو الشيء الذي يريد شراءه ما له
ما لم يدخل حلقه وهو صائم، حديث حسن رواه ابن ابي شيبه. طبعا احنا نجيب لكم احكامها الباك بلاك الاحكام نخلو من كيفاه طعام لنا ولا لا، احنا لو كلمه عندنا الدليل الشرعي فيه ما نتكلموش. سي اون اتان نورجان ان ارجومون تيغي دو قران او بيان دو حديث اوثنتيك، باسكو الاحاديث القاتل الاحاديث تاع ضعيفه في الموضوعات فيها لا اصلا. اما ما معناش آية ولا معناش حديث صحيح في هذا الحكم ما نتكلموش فيه. شو لا قدر في موصلة القرآن أو بيان دو حديث أوثنتي دو لا سنة دو بروفيت عليه الصلاة والسلام أو إل نيا با دي سيغ بريديسيسور سلفنا الصالح رضي الله عنهم إل نوزون ديفونسي دون سيت كوز لا، أون نو ميترا بوا لابليكاسيون. ما كان كان أدلة نشوفو الأدلة. ديتيمون وكذلك يباح له ما لا يمكن الاستراز عنه ببلغ الريق. par exemple quelqu'un qui ne peut pas retenir sa salive, il est obligé de la valer pas que ces deux minutes il ne va pas se faire frapper parce qu'il ne faut pas qu'il avale sa salive, c'est pas valer, il n'y a pas de problème. Ou bien un autre exemple c'est Robert Tariq, la poussière dans la rue. Des fois tu arrives dans des rues où il y a de la poussière, surtout dans les pays africains, les pays arabes, les pays indiens, il y a beaucoup de poussière. Ah ben quand il y a de la poussière, et tu avales de la poussière, la verre sont des pillanés. وعربة غربلة الدقيق، celui qui travaille dans le blé, tous ces trucs là, des fois il y a de la poussière de blé qui monte, là il n'y a pas de problème. والنخامة، النخامة c'est quoi ? C'est les glaires. Des fois il t'arrive d'avoir des glaires, ces genres de glaires là. Ces glaires là, quand elles sont petites, si tu les avales, c'est pas grave. Mais les glaires, les grosses glaires, celles-ci il faut les faire sortir. Que ce soit l'homme ou bien le mâle, ou bien la femme, elle doit les enlever. النخامة وهي ما تخرج من الصدر بفرصة صدر البطين في وبيضيفة أو من الأنف، وهي البلغ الغليظ الذي يحصل للإنسان تارة من الصدور تارة من الرأس، هذه يجب على الرجل أو المرأة بثها وإخراجها وعدم ابتلاعه. دونك cette grosse glaire là il faudra la jeter et non pas la garder. Mais les petites glaires qui dépassent des fois comme ça involontairement, en bas ces glaires là tu peux les abattre. نبيمون من أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا قضاء عليه ولا كفارة. celui qui a mangé ou qui a bu parce qu'il a oublié ou parce qu'il a fait une erreur ou bien il a été forcé, on l'a attrapé, on l'a enchaîné, on lui dit maintenant tu vas manger, tu vas taper pour moi du ramadan, et on t'a mis du pain, du pain, on t'a fait boire pour de bon, ton jeûne il est valable et tu n'auras pas à rendre ce jour là. قال صلى الله عليه وسلم إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إلى مصر في هذا الحديث لا إذا ذلك celui qui a bu ou qui a mangé en oubliant alors qu'il continue une fois qu'il s'est rappelé. Ça peut arriver, tu es en train de jeûner, tu vas boire un verre d'eau, alhamdulillah le bisa khasher, c'est ce que j'ai fait, il s'ouvre, on est trop ou d'accord de lui, rachetaille الحمد لله سقيت الله ثلاث ساعات غدي دونك نغا با روندر سو جور لا في كونتيني سي با تقول لا خلاص انا فيك نكملها نعمرها لا جو كونتيني با جو مارات مون جو مغاتل اي جو نغا با دو روندر ا جور جو نغا با دو جور ا روندر سيدي مون. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك ان الله وضع عن امتي الخطر والنسيان وما استكره عليه رواه ابن ماجه. دونك الحديث لا سيدي oublié ou qui a fait l'erreur ou qui a été forcé, ma foi à l'Esqalam. Il n'aura pas de jour à rendre, il n'aura pas de kaffar. Shadam Kamen Barahu Khaïd, et on s'arrêtera ici, bien qu'il y a encore. Nous sommes arrivés que à la neuvième permission. Et là, j'en avais compté 20. Mais vu le temps, je suis obligé de m'arrêter. Inch'Allah, la semaine prochaine, on continuera la suite en rapportant d'autres mérites de ce jour-là. Mais pour terminer, Kadam Kamun Dara'ahu al-Khayy, celui que Dara'ahu al-Ghalabahu, celui que le vomi. Des fois tu manges et tu n'as pas bien digéré la nuit, le lendemain tu te réveilles et puis tu vomis. Tu n'as pas vomi volontairement, tu as vomi involontairement. Mais si tu as vomi très le qiya, il y a un jour. Il y a un jour, sors ton foumouk ou à ton foumouk. Et termine ton jeûne, il est valable.
tu n'auras pas de jour à rendre. Mais si maintenant, tu es ballonné, tu n'es pas bien, tu as mal au ventre, et tu vas mettre tes doigts pour te faire vomir, là, tu ne peux pas rendre ce jour-là. كذلك في من ذرعه القيس أي غلبه فلا شيء عليه. قال صلى الله عليه وسلم بقوة الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أديه من ذرعه القيس فليس عليه قضاء ومن ساق فليقضي أو فليقضي. صحيح رواه أبو داود. يوم تعلمون على نزيان نوتي سنتفيد السواك للصائم للسواك سواء السواك في سبطنا pendant le mois du Ramadan, on peut mettre le siwak et se nettoyer la bouche avec. قال صلى الله عليه وسلم ولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواه البخاري. Le siwak, le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit, si je n'avais pas eu peur pour ma communauté, je leur ai ordonné de faire le siwak عند كل وضوء. Et dans un autre hadith عند كل شيء, dans toutes choses. Pas que dans le wudu. Dans le wudu, quand tu regardes le Coran, avant de commencer ta prière, avant de dormir, en se réveillant le matin, il y a comme ça des dérives du siwak, il y en a beaucoup. Rawah al-Bukhari. يستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصيام ولا فرق بين أول النهار وآخره. Il n'y a pas de différence pour celui qui jeûne de faire le siwak le matin, l'après-midi ou le soir. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم. فلم يخص للصائم أو الغير الصائم كسلي كيجان وكسلي كيجان فا سميريتوار دو فار السواك وهو عام في كل الأوقات قبل الزوال أو بعده. وبقوة في جديد تفزي قبل الزوال أو بعده parce que des fois on peut trouver dans la liste de jurisprudence islamique on peut trouver des listes qui nous disent non tu n'as pas le droit de faire le siwak que après le zénith et après midi. Quand tu dis il est là, après-midi, oui, tu peux, avant, non. Alors que le hadith ici, le matin, il n'y a pas de temps. Tu peux le matin, l'après-midi, le soir, utiliser le siwak. Il y a le siwak qui s'appelle Hada, il y a un amour qui s'appelle le Mbayak, ou 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 le Mbayak. Non. Non. Ce que Sir vient de faire ici, c'est terminer le jour du vendredi. Hazel était par Mouhakidine. Hazel était par Mouhakidine. Sir, je vais vous offrir. Le dernier bichet. Ou Hazel le 12, qui a fait le khutbah. Il m'a mis très bien sa haja. Ou la yurla sur haja. Il est 12, les amours, il a le dernier khata, ou le ralat, ou le saïda, et il a dit qu'il a fait le khutbah. Ce que Sir vient de faire ici, c'est fermer le jour du vendredi. C'est vrai que des fois on ne voit pas ces choses-là. Parce que pourquoi on ne connaît pas beaucoup de choses en religion. Pas bien grave, il dit là. Si maintenant l'imam fait une erreur, ou si l'imam oublie quelque chose, ou si par exemple une personne veut faire profiter l'assemblée, parce que l'imam il a oublié de la dire, il est permis d'interrompre la khutba pour le bien de l'assemblée. Donc le frère qui vient faire, Jazahullah Khairan, il m'a dit que ce que tu as montré, c'est Arab al-Ara. Mais le siwak peut-être c'est mentionné ici, bien que c'est l'arbre al-hadith, sahaba kalam istamilun ahada. Mais le siwak, il veut dire sûr, c'est quoi? C'est le siwak que les femmes utilisent de couleur rouge et qui pique. Et en plus de ça, qui a un goût. Ce siwak-là, il est marron. Les femmes, elles le mettent en général, c'est les femmes qui utilisent ce siwak-là, elles le mettent dans la bouche, elles le mettent dans l'air de temps, les dents deviennent blanches et les gencives deviennent rouges. Celui-là, il est piquant et il a un goût. Celui-ci, الله أعلم بحكمه. فبيسي الله أعلم بحكمه. سكوا لا هذا إلى الوقت عند يقول سل الله لسه ونفق فتا لغشة بسه لسه سوى كلالا عيد العرق إلي تعمل بارك الله فيك يا أخي. اللهم احفظ لنا بربنا وكفر عنا في رأسنا وتوصلنا مع الأضرار يا حي يا قيوم برحمتك الصهيب. اللهم لا توحدنا إلى نفسنا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وصلاة التراويح ودعاءنا. اللهم اغفر للجميع. اللهم لا نقول هذه جميع الناس لما كان شاعر في الجنة وشاعر قليل في الجنة وقليل في النار. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لنا. ومن يقول اللهم اهدنا الناس
الناس اللي هم شرحوا هداية لم تنبئوا الله قبل مضاطي On ne peut pas dire ces choses-là. Pourquoi ? Parce qu'il y aura toujours des gens voués pour l'enfer et des gens voués pour le paradis. Mais nous, ce qu'on peut dire, Allahumma ghallib aghlabahum fil jannah. On demande à Allah que la majorité au paradis et que des gens en enfer. Subhanallah, Allah, bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi.